Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, comme d'habitude, des petits fragments de ma vie quotidienne. D'abord, je vais vous montrer le processus de notre couture, plutôt de la couture de mon mari parce que c'est son hobby. Il essaie de faire une jupe pour moi. En fait, récemment, on a acheté du tissu dans une boutique qui s'appelle Tissu Market. En fait, là, c'est le paradis parce que ils vendent des restes de tissus de grandes marques, de grandes maisons comme Hermès ou bien Lanvin. Quelques mots sur l'exposition que j'ai visitée la semaine dernière de la fondation Azzedine Alaïa, donc qui se trouve dans le Marais. Je vais vous dire quelques mots sur Azzedine Alaïa parce qu'il est un grand maître et vraiment il est un grand couturier qui était nommé comme le meilleur couturier de 1984 d'après la mairie de Paris. Sa maison, il était reconnu et parmi ses clients, c'était vraiment des personnes super connues, des célébrités. Thank you.
bien sûr, les amis, c'est le temps pour notre petite recette. Cette fois-ci, j'ai cuisiné une pâte à la tomate. C'est un peu mon improvisation. Mais j'espère que ça peut vous inspirer pour cuisiner aussi chez vous, parce que je trouve que c'est tellement bien de prendre le temps pour bien préparer des bons produits. Pour faire par exemple un dîner ou bien votre déjeuner avec votre famille. Bon, je vous laisse avec ça. J'espère que la petite recette va vous plaire. On a beaucoup de chance parce qu'on habite à côté du jardin de Luxembourg, et maintenant l'ambiance là-bas c'est quelque chose. En fait, je peux pas m'empêcher d'aller là-bas parce que des arbres, des feuilles jaunes, c'est tellement beau. Et aussi la lumière ce matin, c'était... En fait, il y avait des moments qu'on ne peut pas dire, d'arrêter de dire que à quel point c'est beau, à quel point c'est joli, et aussi à quel point c'est important de prendre le temps pour juste arrêter pour dire à quel point c'est beau.
Ce matin, j'ai reçu mon colis du Vinted. En fait, je viens de faire un unpacking pour ma chaîne Main Russe. Mais bon, je veux vous montrer quand même ce que j'ai reçu parce que peut-être ça peut vous intéresser. En fait, assez souvent, j'achète mes livres sur Vinted. Déjà, c'est beaucoup moins cher et déjà, c'est mieux de consommer de la seconde main. Donc, cette fois-ci, j'ai choisi Simone de Beauvoir. Cette talentueuse femme, en fait, j'ai choisi La force de l'âge. Donc, c'est un grand bouquin qu'on vous pouvez le voir. Et donc, l'édition, ça date de 1960. Et en fait, j'adore quand on voit que ce livre, il était beaucoup lu apparemment. Et donc, déjà, toutes les pages... Mais je parle même pas de la grande sagesse qui se cache cette couverture. Donc, et pour le deuxième roman, je choisis Les choses humaines d'une écrivaine, Karine Thuy. Donc, c'est un roman sur une famille contemporaine, donc avec des drames quotidiens. Donc j'espère que ça va me plaire parce que, à vrai dire, mon premier roman que j'ai acheté il y a quelques semaines quand même. Donc c'est aussi, c'est une écrivaine qui s'appelle Marie-Louise Aumont, qui s'appelle Le Trajet. Et donc je peux vous dire que pour moi, en fait, le début, c'était super intéressant parce qu'il y avait des réelles quotidiennes qui existaient dans les années 80. Et pour moi, c'était super intéressant de voir comment c'était la vie à cette époque-là. Donc. Mais par contre, vers la fin, c'était tellement mélancolique parce que, comme vous pouvez le voir, le titre, Le Trajet, donc en fait le personnage décrit chaque jour que c'est tellement répétitif, donc tous les trajets à chaque fois il n'y a rien de nouveau, donc et c'est tellement déprimant pour moi que voilà, je me suis dit je vais le finir peut-être dans quelques jours. Pour alterner un peu, je vais lire d'abord La force de l'âge. Chers amis, je vais vous attendre sur Instagram parce que là, il y a une ambiance, il y a des jolies photos parce que
j'essaie de vous transmettre cette atmosphère. J'essaie de prendre le temps pour bien faire mon contenu à mon mieux. Donc, je vais vous attendre là-bas parce qu'en plus, je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce que, comme vous le pouvez constater, j'essaie de tenir ce rythme, une vidéo par semaine. Bravo Maria, continue bien. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Je l'apprécie énormément. Je vous embrasse bien, bien fort et à très bientôt.